Nous voilà au QG d'OTS Factory. On est ici pour préparer les suspensions avec FedEx qui a déjà pris d'ailleurs la bêta. Là vous voyez, on a la Triumph. On va régler les suspensions. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fait lui sur les suspensions, le système, le processus, etc. Donc ça va être un inside préparation suspension avec ses conseils, etc. Allez, c'est parti. Le problème de bêta, c'est qu'ils ont mis 50 trucs. Ah, tout de suite, on critique. Voilà. Non, il y a des motos avec une clé, tu démontes tout et l'autre il faut 50 clés. Ça qui est chiant quoi. Tu m'étonnes. Ça c'est bon et après le T8. Donc je mets tout là. Et okay. Ça, je prends pour faire à mesure. Qu'est-ce qu'il dit Ricky? Ça c'est le toutou à FedEx. Allez, on va être bon là. Bon FedEx, avant qu'on démonte, j'ai une question. Oui. La moto je l'ai eue, là je crois qu'elle a 8 ou 9 heures. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû faire ou est-ce que peu importe quand on a une moto neuve, il y a des choses à faire dans les premières 10-15 heures? Je sais pas, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Bah en fait on va parler 10 heures, ça va être le rodage, une période de rodage. Donc c'est qu'après ton rodage, normalement tu es censé faire un peu un check de la moto, donc que ça soit en visserie, les rayons, c'est important de contrôler la tension des rayons. Et surtout voilà tout ce qui est visserie, voir s'il y a rien qui s'est desserré avec le rodage. Ok, et niveau suspension, pas forcément quelque chose à faire? Si, c'est bien de contrôler sa précharge, si ça n'a pas été fait avant, parce que ça a tendance à bouger avec le rodage des suspensions aussi. Donc bien refaire sa précharge pour avoir vraiment une moto correctement réglée. Ok, ça par exemple je ne l'ai pas fait, donc je suis content que je te l'ai amené, parce que tu pourras m'aider à la faire tout seul, c'est pas évident. Carrément. Bon FedEx, on est dans ton coin suspension. Tu me disais, par exemple sur les bêtas, certaines bêtas à une époque ou certains modèles ont parfois des précharges qui sont un peu plus dures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le ressort d'origine est vachement préchargé. Ça fait qu'on a un avant hyper tenu, mais qui enlève tout l'aspect confort. Donc on a un avant un peu qui dribble dans les cailloux. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'on va vérifier après. Après, je sais qu'ils l'ont changé après, c'était amélioré. Mais ça fait partie du, on va dire, des petites pannes qu'il y a d'origine sur ces motos. Ok. Tac. Là, tu as des petits inserts pour protéger. Ouais, pour pas marquer la fourche. Hein. Hop. Donc, tu travailles sur les fourches aussi bien à air que comme celle-ci hydraulique. Voilà, ça, c'est les doubles cartouches qu'on appelle. Donc, c'est ce qu'il y a en suspension, c'est ce qu'il y a de plus récent. C'est la technologie la plus récente. Et après, tu as la technologie simple cartouche qu'on retrouve sur les Waypower, les Explore, qui est une technologie encore un peu différente. Et les simples cartouches comme il y a sur les Ténéré ou sur d'autres motos un peu low cost on va dire. Ok, et des fourches comme la AER de chez WP, ça t'en as déjà fait? Ouais, ça c'est des fourches, donc là il y a AER, il y a eu les fourches à air et l'espèce de cone valve qu'on peut appeler comme ça aussi. Mmh. C'est une autre technologie que Waypower a développée. Et AER, ouais, c'est présent mais c'est pas ce qui fonctionne mieux encore. Ils sont encore en train de chercher des solutions pour que ça fonctionne bien. Ouais. Et toi, du coup, tu avais aussi fait du vélo. Je vais montrer un peu tes outils. Ouais, vélo, ouais. Tu avais fait pas mal de vélo. C'est vélo aussi, ouais. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que quand tu m'avais dit que tu faisais vélo, j'avais été hyper surpris. C'est la merde. D'origine, c'est serré. On va repartir. Ouais, ouais. Juste que je le desserre un peu. Nickel. Ouais, d'origine, il sert ça à bloc. Et en parallèle, du coup, tu fais aussi vélo. C'est ça qui m'avait surpris quand tu m'avais dit. J'avais vu passer des photos où tu avais des autocollants OTS sur des vélos. Ouais, bah, j'ai fait une formation, bah, là comme là, avec Collins, chez X-Point Racing. Des formations, et j'ai fait aussi la formation Fox. C'est pour. Bah, c'est pareil, ça reste de l'hydraulique et de la suspension, donc il faut savoir faire. Et surtout que le vélo, c'est vachement démocratisé. Mm. Donc c'est intéressant de le faire. Donc là j'enlève l'huile qui est, on va dire que ça a été rodé, donc la première huile on la vire rapidement parce qu'il y a des petits dépôts de limaille avec le rodage qui se fait, donc ça on l'élimine direct. Ah ouais, t'as carrément des fois un petit peu de limaille qui peut se mettre quand ça bouge. C'est okay. Ça. Donc, comme pour un moteur. On a fait un tube, on a le deuxième qui est juste ici. Hop. Et je me rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait fait une vidéo un peu pareil quand j'avais eu ma WRZ, je sais pas si tu te souviens. Si, ouais. Et tu m'en avais bouché un coin parce que sur mes suspensions, en fait, le vendeur de la moto m'avait vendu ça comme quoi elles étaient préparées. Donc il n'y avait pas d'autocollant dessus, mais il les avait envoyées, il m'avait donné la facture, la préparation, etc. Et toi, en fait, sans savoir, tu as ouvert et tu m'as dit, mais est-ce que c'est préparé? Donc moi, je t'avais dit oui, et tu m'as dit, c'est pas possible parce qu'il y avait des choses qui étaient encore serties dans la suspension, c'est ça? C'est ça, c'est ça.
ça n'avait pas été touché. Ouais. Donc en fait, toi, tu as pu voir avec ton expertise, tu as pu me dire directement, en fait, c'est mort. Le gars s'est fait avoir. C'est pour ça aussi que j'ai dit, moi, je ne donne pas trop mes autocollants. Il y a des gens qui me demandent mes autocollants pour mettre sur les fourches. Quand c'est pas préparé, j'évite de le faire. Parce qu'après, voilà, il peut y avoir, on va dire, un lapsus à la revente en disant, ça a été préparé alors, parce qu'il y a l'autocollant, alors que ça ne l'est pas. Donc pour éviter tout problème, voilà, je donne les autocollants qu'à ceux qui ont fait des préparations. Ouais, parce que après tu veux pas de la mauvaise pub comme on pourrait le faire. Quand on m'appelle, on dit ouais, j'ai dit, on a démonté vos fourches, elles sont pas préparées, c'est une arnaque. J'ai dit non, c'est ça, je les ai pas faites. Je sais pas pourquoi l'autocollant est dessus, mais c'est pas moi quoi. Ouais, donc c'est sûr faut faire gaffe. Ça c'est des trucs auxquels tu vois je pensais pas, mais au final, ah, ça coule encore. Au final c'est un truc faut faire vraiment attention en tant que préparateur. Ouais c'est ça, pour pas avoir qu'il y ait pas de voilà, qu'on ait pas de la mauvaise pub à cause de ça. C'est parti. Quand je te vois travailler, je te jure, je me dis c'est ouf. Tu connais tout par cœur. Tu t'en sers pour quoi cette machine là-bas? C'est une nettoyeuse haute pression. C'est comme un Karcher. Et voilà à l'intérieur. Donc pour le nettoyage, c'est l'outil indispensable. C'est 80% du boulot, on va dire. Putain, première chose que je vais faire, je vais prendre la précharge. Donc il y a une série de mesures à prendre. Mm-hmm. 309, hop, je vais noter. Pour la dextérité. La cartouche interne. La cartouche interne, c'est ça que j'allais te demander. Parce que c'est. Je crois que tu as déjà compris que ouais. J'ai regardé avec des yeux. Donc ça c'est la cartouche hydraulique. Donc là il n'y a vraiment que de l'huile à l'intérieur. Mmh. Il y en a encore là-dedans? Là non, là je finis de non, vider okay. Le. Voilà. Je finis de vider. Le ressort. Bien. Et grosso modo, la magie, sauf si tu as un traitement, elle se fait avec. Ressort, donc ça c'est vraiment pour l'adapter au poids. Ouais. Poids du pilote. Donc là, ils sont calibrés pour un poids moyen de 75 kg, 80 kg. Okay. Et au poids de la moto. Donc plus vous avez une moto grosse, plus vous aurez des ressorts durs. Mmh. Et quand on a des personnes un peu au-dessus du poids, c'est ce qu'on change, on change les ressorts. Okay. Et là après, c'est vraiment la partie hydraulique, où là, c'est là où le fameux seating se fait. Tout se fait là-dedans. Okay. Donc, on va voir, je me rappelle que tu avais démonté la dernière fois. Voilà. Mais là, c'est ce qu'on va attaquer. Je vais démonter le deuxième tube et on va attaquer les cartouches hydrauliques. Tac. Tac. Alors on remet dans le bon sens. Donc là on va sortir le piston de compression. Ok. Ok. Tac. Donc là on avait encore de l'huile. Voilà, c'est vraiment la cartouche hydraulique, là on vide toute l'huile. Mmh. C'est normal cette couleur ou c'est juste qu'elle a un peu roulé? Voilà, un peu roulé, ouais. Là, elle a été rodée. On peut avoir quelques petits dépôts, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Donc là, avec ça c'est la tige de détente, avec le seating de détente. C'est ça qui gère la détente? Ouais, voilà. Oh. C'est le clapet de détente. C'est pour ça qu'on la règle par le bas, la détente, sur une Kayaba. On a cette tige à l'intérieur qui vient fermer le pointo en haut. Et il y a aussi ce qu'on appelle le mid-speed. Donc c'est vraiment, mid-speed, c'est vraiment la plongée de la moto. C'est un seating qu'on travaille dessus aussi. Et là, la partie compression, donc tout le groupe compression, avec le fameux piston, le piston flottant, qui en fait vient compenser l'entrée de la tige dans la cartouche. Autrement dit que lui, il est incompressible et ça exploserait. Hein. Donc lui, ça vient compenser l'entrée de la tige dans la cartouche. D'accord. Tout cassé. Oula. Donc là, FedEx, tu as utilisé cet outil, cette machine, pour enlever le ressort. C'est ça. C'est une presse à ressort, ça évite de desserrer les précharges. Et là, du coup, il est plus bloqué, on va pouvoir le sortir. Voilà, c'est ça. Tac. Hop. Bon, nickel. Ça, c'est fait. Après, on contrôlera le ressort. Et voilà. Et t'as dit, du coup, la Triomphe, je la trouvais quand même. Toi qui es monté dessus pour voir ce que je t'avais dit, moi je la trouve raide. Ouais, elle est très freinée, que ce soit en détente, en compression, donc on voit qu'elle est typée très cross, mais il faut avoir un certain niveau pour, je pense, pour l'exploiter à ce niveau-là. La précharge n'était pas bonne non plus, donc là on va démonter, on va voir un peu ce qu'il y a dedans, et on avisera après. Ok. Là tu as ouvert la détente à fond, là tu ouvres le lent. La compression lente à fond. Ok, donc c'est ces petites vis. Voilà. Et tu as l'autre vis, et c'est ça, c'est la compression rapide. Rapide. Ouais. Ok. Donc c'est les mouvements rapides de l'amortisseur. D'accord. On va contrôler la pression qu'ils ont mis dedans. On sait jamais, normalement c'est à 10 bars, mais des fois on peut avoir des surprises.
Ouais, donc on a 10 bars. Ouais, bah on ouais, pas dans bah, la voilà, il y en a perdu un peu parce qu'on a rempli le mano, mais on a 10 bars. Plus maintenant. Ouais. Ok. Et toi, quand tu ouvres une suspension comme ça, qu'elle soit neuve ou pas neuve, qu'est-ce que tu vas vérifier, qu'est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu as des petits points que tu sais que tu vas contrôler pour l'usure, pour le réglage, pour... Bah, quand c'est neuf, déjà, c'est contrôler le sitting. Donc, je vais relever le sitting d'origine pour l'avoir, pour l'enregistrer. Et après, non, il n'y a pas trop de... Souvent, quand je fais une amortisseur, je regarde combien le client a mis ses réglages. Parce que des fois, il ne me dit pas qu'il a, par exemple, qu'il est serré en détente à fond, il aime bien. Hein. Mmh. Il est serré en détente à fond, donc ça, moi ça me donne un indice comme quoi il faut que je serre un peu plus la détente pour que lui retrouve de l'amplitude de réglage. D'accord. Donc j'ai fait des petites vérifications comme ça, mais normalement il n'y a pas trop de soucis. Après ici, il y a sur les tubes de fourche par exemple, on regarde s'il n'y a pas d'impact sur les tubes, s'il n'a pas pris un caillou ou qu'il n'aurait pas vu. Ok. Après j'imagine que toi, quand tu démontes, si tu as une pièce usée, tu la vois direct, tu n'as pas besoin de faire une... Tu as besoin de rechercher quelque chose particulièrement quoi. C'est ça. Tac. Donc là, on a libéré le jaune d'étanchéité, mais non, ça va sortir tout seul. Hop. Ah ouais. Oups. Tac. Un peu d'huile là-dedans. Donc là, c'est la fameuse membrane. Donc ça, c'est une spécificité Kayaba Showa japonais. Sur le all-in, c'est sur les wipe-power, on a un piston flottant. Donc d'accord. Qui fait la transition entre l'huile et l'air. Mmh. Donc pour la même, pareil que pour le piston flottant de la fourche. Donc ça ressemble un peu plus à ça sur un amortisseur. Voilà, c'est ça. WP. C'est plus fin, plus gros, mais ça ressemble à ça. C'est vraiment ce qu'on appelle un piston flottant. Et ça en fait c'est pareil, hein, c'est pour compenser la tige qui rentre dans l'amortisseur. Donc la membrane elle s'écrase pour compenser la tige qui rentre. C'est une histoire de volume, hein, pareil. Sauf que là c'est la membrane est remplie d'air, elle s'écrase avec la pression d'huile. Alors qu'un piston flottant vient écraser l'air avec par la poussée. Ok. Et ça, du coup, c'est ce qu'on démonte là sur la Triumph. Ça, c'est la Triumph. C'est similaire à ce que tu as sur la Beta ou il y a une petite différence? Ouais, sur la Beta, ça sera exactement pareil. Ouais. Ça, okay. C'est vraiment une technologie Kayaba ou ça, il y a. Ça, c'est tout pareil. Donc là, qu'est-ce que tu démontes? Donc là, c'est le groupe de réglage, compression. Vous avez vu, il y a un outil super spécifique. Donc là, ça va être intéressant parce que je sais que la Sherco, par exemple, elle a un groupe de réglage un peu low cost. Donc là, on va voir ce qu'ils ont mis, s'ils ont mis comme sur les YAM ou. Voilà, c'est un système à ressort, après charge à ressort. Donc c'est quand même un système, c'est le haut de gamme quoi. Ok, c'est ce que tu retrouves sur quelle marque par exemple? Sur les YAM, sur du YAM tu as ça, tu as ça sur les Beta, ils ont mis ça sur les Beta. Et chez les Charco, il y a un système un peu plus low cost. Donc en fait, moi je te donne l'exemple de l'Enduro sur la Beta, tu as un système qui est un petit peu, tu as ce détail là qui est un petit peu plus haut de gamme que sur une Charco par exemple. Okay. C'est ça, c'est ça. J'aurais pas pensé parce que la Charco elle est beaucoup plus chère que la Beta. Et ouais. Non, il y a un petit, le groupe de réglage est moins bien. Ouais, du coup, on est parti de l'amortisseur à, voilà. À plus grand chose. Enfin, donc là, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien agir sur là-dessus. Quoi. Okay. Ça, c'est une coquille vide en fait. Voilà, c'est la ça. Seule chose qui reste, c'est le pré-réglage de la contrainte, mais on ne peut pas la régler maintenant. Voilà, c'est ça. Et là, il y a vraiment la partie sitting. Ouais. Donc voilà, comparaison, ça c'est l'amortisseur, ça c'est la fourche. Hein. Ok. En comparaison. Et après, voilà le groupe de réglage où là, il y a un petit sitting aussi. On le voit les petits clapets là. Ça, on y touche rarement. C'est vraiment pour sur du test. Donc voilà, on va agir sur tout ça. Allez, lavage, c'est parti. Tac. Ah ouais, on voit bien. Ouais, c'est tout propre. Donc là, c'est de l'eau super chaude. Oh. Ouais, de l'eau savonneuse. Pour bien dégraisser les pièces. Donc là, démontage du setting, c'est ça, ça. Donc là, le bouton de compression, j'ai desserti les écrous. C'est comme ça que tu avais vu la dernière fois que c'était pas c'est préparé. Ça. C'est ça. Okay. Tac. Donc là, tu vas tout aligner, si je me souviens bien de la dernière fois. C'est ça. Et ça, c'est ce qui permet de faire passer l'huile. Et tu m'as dit, ça se déforme? C'est ça. Donc après tu joues sur l'épaisseur et la circonférence pour changer le comportement de ta suspension. Il y en a quand même. Toi tu fais un peu de cross avec, c'est ça? Non, du coup vu que j'ai la motocross, je vais faire
du cross avec la moto de cross. Enfin, un petit peu de spécial, de l'enduro classique, un peu de technique, un peu de spécial, mais pas de cross. Ok. Parce que quand tu fais du cross, tu verrouilles un peu plus les fins de course pour les réceptions de sauts. Ouais. C'est pour ça que je te demande ça. Bah après, je suis pas à l'abri de faire quelques sauts en spécial, mais ouais, non, ce sera pas une utilisation cross, quoi. Donc ça, c'était la compression. Ouais. Maintenant, c'est la tige de détente. Le sitting de détente. Mmh. Et le fameux mid-speed. Ok. C'est ouf. Il y en a tellement. Ouais, ça, on fait du JKP. Donc, si vous vous rappelez bien, c'est la fourche. Donc, il y en a une là et il y a la même ici. Relevé de setting, tu me dis. C'est ça. Donc là, bon, je relève le setting d'origine. Tu mesures tout super précisément et tout va aller là-dedans dans la petite fiche. Bon là, je peux te dire, ça s'est rempli. Un truc de fou. Et puis c'est précis. Hein. 20,0. Donc là, du coup, j'imagine que toi, dans ta tête, t'as déjà tout compris ce que j'avais envie, parce que tu m'as posé des questions tout à l'heure. Donc je t'ai dit, grosso modo, moi, c'était pas mal l'adhérence, trop rigide de toute façon. Et la roue avant qui sautille un petit peu dans les trous, enfin la moto en général, mais surtout la, ouais, c'est ça. Donc la c'est fourche devant. Manque de confort sur l'avant, je pense. C'est à peu près ce que tout le monde demande. En général, les mecs, ils... Ouais, même des gars un peu plus costauds que moi. Ouais. Okay. Du confort sur l'avant, de la traction à l'arrière, et que ça se durcisse progressivement sans arriver sur le talonnage. Ouais. Tout le monde demande ça. Ok, donc là, j'imagine que toi, avec ton habitude et tout, tu visualises déjà ce qu'il faut faire. C'est ça. De toute façon... C'est ça. Donc là, tu rempiles déjà... Voilà, là, je remonte mon mid-speed. Ok. Que j'ai modifié. Super. En plus, c'est super net avec la caméra, là. C'est excellent. C'est vraiment un travail minutieux, en plus. Hein. Ouais. Et tu sais, tu saurais me dire en quoi elles sont faites. C'est coupelle. C'est clapé, pardon. C'est des feuilles, des feuilles d'acier. Acier, okay. Et elles sont traitées avec un traitement anti-friction, on va dire. C'est pour que, quand il se plie, les clapets, vu qu'il y a une légère friction dessus, plus on diminue cette friction, voilà, plus ils ont tendance à bien bouger entre eux, quoi. Ok. En tout cas, c'est des belles mécaniques, des belles pièces. Ça redescend pas. Ah, il veut gagner les US, donc on va. Là, je suis super, super cross. 44-20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon Dieu! Tac. Toi, dans ta vie, t'en auras vu des rondelles. Le flap, ouais. 42-25. 40. 39-40. 38. Putain, c'est béton. Oh là là. Là, tu te rends compte que c'est béton? Ouais, c'est très dur. Ouf. Ça me rassure parce que je trouvais la moto très dure. Ah ouais, là c'est dur. Là, c'est très très dur. Est-ce que tu as déjà fait une prépa aussi dure, peut-être sur des gros gabarits? Après, ça dépend de ce que tu fais, mais là, on est sur du... Non, mais c'est... après, ça reste une crosse. Hein. Mmh. Donc forcément... C'est très tenu, quoi. D'origine, elles sont... C'est quoi les setups? C'est très rigide? Ouais. Ouais, c'est pour avoir un truc très rigide et en cross, tu... Faut faire 5 kilos, en fait, quand t'achètes une cross. Non, c'est un gros niveau. C'est un gros niveau. Mais comme c'est pas le cas de notre pilote du jour... Au moins, c'est bien, tu vas t'adapter. 24. Ah, quand tu te mets que des courts ou que des longs, c'est quoi le mieux? Grave, parce que c'est peut-être des fois plus dur quand tu fais que des courts ou que des longs. Oh putain, faut chier. Il vaut mieux se mettre long, normalement. Se mettre long? Ouais. Mais court, c'est-à-dire que tu te prends l'appel pleine face du truc. On va faire un bon petit step. Que tu sois sur un bon petit canapé là. Ça serait pas de refus. Canapé qui file droit. Je pré-gonfle ma membrane. Hop. Ouais.
Tac. Là, on sent que ça que c'est dur à rentrer encore, donc c'est pas tout à fait rodé. Hein. On sent que ça a pas beaucoup roulé. Là, je passe de ce côté. Ce côté. Zou. Avec la machine qui va me purger l'amortisseur. Ah. Ok. Ça va faire quoi? Ça va purger l'excédent? Ça met sous vide. Donc ça aspire tout et ça envoie que de l'huile. Pour vraiment éliminer toute l'air qui est à l'intérieur. D'accord. C'est tactile et tout. Avec Blender, donc là il demande de coincer la membrane. Ok. Parce qu'il faut pas que la membrane remonte parce qu'elle se fasse aspirer. C'est pour ça qu'on serre pour que ça bouge pas. Et c'est parti. Ok. Ah ouais, moins 300, celui-là c'est en PSI. Ouais, d'abord ça met sous vide là, donc ça aspire. Du coup on va voir la tige normalement. Voilà, quand il est pas tout à fait rodé, ça a du mal à remonter. Parce qu'il y a encore beaucoup de friction. Donc là on l'aide un peu. Hop, là on voit qu'il y a... il remonte avec à coup, mais on l'aide un peu quand c'est d'origine. Par contre quand ça va réinjecter, là ça va le repousser. Donc regardez, ça fait que descendre, on est à moins 970. Donc là FedEx, tu m'as dit que tu faisais quelque chose. Qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, d'origine il y a ça. Donc ça c'est pas mal, c'est un petit racleur qu'ils mettent en plus. Donc c'est vraiment quand on roule dans la boue, c'est intéressant de le mettre parce que ça évite que la boue rentre. Ouais. Par contre c'est quelque chose qui fait perdre un peu, qui amène de la friction à notre fourche. Donc quand c'est dans le sec, il vaut mieux l'enlever. Comme ça on gagne en confort et en friction. Et je vais filmer quand tu as fait la petite manip pour déniaper le cache-poussière, parce que tu as fait ça en vraiment 5 secondes. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire. Je le fais sur le deuxième tube. À chaque fois que je monte des bagues neuves, tu vois, je fais un glaçage. Okay. Pour que ça aille bien. Et en même temps, je vérifie l'état. Bon, celles-ci ne sont pas neuves, c'est celles d'origine. Ouais. Donc là, je regresse tout. Hop. Voilà. Tac. Ça, c'est fort quand tu appuies et que ça fait direct clic. Ça, c'est dingue. Donc le petit segment, je le remets parce qu'il y a encore. Le temps n'est pas encore à la fête. Ouais. Donc ça va protéger ta fourche d'avoir ça. Ok. Je te le remets. Ça peut être une petite technique du coup. Voilà, quand il refait beau, tu peux l'enlever. Tac. Ah, on lui a fourré sa vidéo là. Ah non, je sais pas filmer, c'est le meilleur moment. Tu veux quoi? Les clés de ton véhicule. Mais pourquoi? Pour le déplacer là, putain de t'es mort. C'est pas le mien. Allez, va te faire donner toi. C'est lequel celui-là? C'est le tien. Allez, ton véhicule là. Quand t'es mort, on va la con de t'es mort. T'es mort. Mais il a pas de trafic FedEx? Si si. Ah ouais? Ça je trouvais ça bizarre qu'il me demande à moi là, il me meule. Je suis à deux doigts de le planter, j'ai rien à branler. Donc là il faut garder la manip. Faut viser au bon endroit. Pam. Pam. Hop. Donc là. Le petit segment. Là, je vais chercher le petit clip, ça. C'est impressionnant. Hop, pour des gestes précis. Hop, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, moi j'y arrive jamais. Donc tout le monde pense que c'est les bagues qui sont montées serrées dans le fourreau, mais c'est que le joint stick qui est monté serré. D'accord. Donc là, on chauffe pour que ça dilate un peu le fourreau et que ça libère un peu le joint stick pour que ce soit moins... Parce que autrement, si on chauffe pas, on risque d'esquinter les bagues en démontant. Ok. Hop, zou. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ici, FedEx? Donc là, on a la bague interne qu'on appelle, donc qui reste mobile, qui reste fixe sur le tube plongeur. Ouais. La bague extérieure, qui elle est montée sur le fourreau. Mmh. Et après, c'est la cale, les cales pour le joint spi par rapport à la profondeur du fourreau. Ok. Ils mettent des cales. Et ça, et le cache-poussière en bas avec le clips. Ok. Je remets tout mon groupe de réglage. Ouais, on voit que tu as enlevé le petit système. Et donc là, le volume d'air que tu vas mettre, ça influence quoi? Tout? Ouais, c'est vraiment, ça joue vraiment sur la compression, on va dire. Okay. Donc tu peux mettre plus ou moins d'air, mais on travaille à 10 bars. Et parce qu'il y a une histoire de cavitation. Ça, c'est un truc un peu scientifique. Mm-hmm. Faut aller voir sur internet, mais quand il n'y a pas assez d'air ou quand il y en a trop, ça joue beaucoup sur le comportement. Donc là, comment vous dire que je me suis absenté 2 minutes? Et regardez, FedEx a déjà remonté la fourche dans les...
dans l'été. Il m'a même fait le petit réglage de chaque côté pour que ce soit nickel. Et là, il est déjà en train de tomber. Ce mec est trop fort. Je sais pas comment il fait. C'est le genre de mec, tu sais, il met le vis, il tourne avec sa clé. Regardez, il m'énerve. Tu sais, il met la vis, il fait clac, il tourne comme ça avec son doigt. Hop, voilà, nickel. La vis, elle rentre toute seule. Voilà, dextérité. Bah, de toute façon, ça se voit que moi, je suis pas de mécanique et que toi, t'es un pro, quoi. Franchement, rien que comment tu serres à le vis, quoi, c'est un truc de ouf. Il y a tellement serré des vis dans ma vie. Ouais, tu m'étonnes. C'est des dizaines de milliers, voire plus. Ça part, hop, voilà. Allez, salut, bye, ciao. C'est énervant et satisfaisant à la fois, en fait. Ouais. C'est ça qui fait nul. Bon, allez, rebelote avec l'autre jeu de suspension, donc l'amortisseur de la Beta et bientôt la fourche de la Triumph. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de démonter la boucle arrière. Hop, on est juste... Non, mais toi, la vis de fixation de l'amortisseur, elle est mal foutue par contre. Pourquoi? Bah, parce qu'elle sort de l'autre côté, côté boîte arrière. Et... Ça, tu l'as bien dévissé. Hein? Tu l'as bien dévissé. Ouais, mais j'ai enlevé en poussant, là, pour la remettre. Ouais, mais d'ici avec un tournevis, je pense que... Ouais. Donc sur la moto, tout est en torx. Regardez, ça, les commandes, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Alors moi, je suis pas trop fan, je sais pas, c'est pas mon truc. Bon, nouvelle journée, FedEx. Là, t'as commencé par regarder le tarage du ressort. Alors, on en est à peu près, on est dans quelle valeur? Donc, c'est du 4-8. Ce qui reste pour le cross, c'est la valeur du cross. Hein. Donc, pour un 2,5-4 ans, 4-8, c'est correct. Par rapport à ton poids, c'est un peu dur. Ouais. Et un mec à un gros niveau, ça va aller. Toi, voilà, tu n'as pas un niveau, amateur. Ça va être gentil. C'est un peu gros, donc on va voir ce qu'on fait. Et là, j'ai commencé à regarder le sitting aussi de la Triumph. Donc, on va modifier tout ça. Ok. Bon, globalement, c'est comment? C'est standard cross et... Ouais, c'est dur, c'est cross, ouais. C'est comparable à du Yamaha, tout ça, du Kayaba, ce qu'ils mettent sur les cross. Donc, il n'y a, okay, pas de surprise. Ok. Bah, ça, c'est le truc le plus important de toute la préparation, moi, je te le dis. C'est ça qui, parfois, te coûte... ça sent mal. C'est ce qui coûte le plus cher dans la préparation. C'est le label, là. C'est labellisé. Tu mets cet autocollant, là, je gagne 2 secondes par minute sur spécial. Oh, super, en plus, avec le bêta à côté. Nickel. Ça ira bien avec la moto. Ouais. Les deux, en plus, c'est les deux couleurs exactes. Ouais, ouais. Usine. Regardez. Sur les deux motos, on arrivait à enlever l'amortisseur comme ça, sans toucher à la boucle arrière. Dernier détail. Hop. Après, il faudra qu'on fasse la précharge des deux motos. Ça va être super. En plus, ce petit détail rouge, c'est parfait. Tac. Hop. Bon, maintenant de l'autre côté. Regardez la différence quand même. On va la mettre droite. Il n'y a pas photo, hein. Moi je vous le dis. Les anciens de la chaîne, ça vous rappelle des souvenirs? Chiffon naissance, ce mec. WRF 4,5. Puis ça va bien les protéger des projections. Et des chutes. Et des chutes, ouais. Après, en cross, ouais, non. Les cailloux, j'en ai un peu moins peur qu'en enduro, mais ouais, ça va aussi protéger des chutes. Oh là là, magnifique. Magnifique. C'est con, mais rien que ça, déjà, ça lui donne un nouveau look. Je trouve toujours que les fourches, tu vois, sans rien, ça fait un peu vite. Ouais, en plus, sont jolis, c'est autocollant. Oh là là. Celui-là aussi, je le trouve trop beau. Bah, celui-là, il va bien avec la moto, celui-là. C'est parti pour la précharge. J'ai trop envie de monter dessus, là. Hein? J'ai trop envie de monter dessus, voir. La fourche, elle demande encore à être un peu rodée, quand même. Ouais, bah, j'imagine. J'ai senti même l'amortisseur. Sans, hein. Elle a quoi? Elle a une heure. Hein, bah, ouais, donc, ouais, à peine rodée, là. Ouais, rien que là, la fourche, ça change tout. Bah, ça habille, hein, parce que c'est que le fourreau, il est tout. Non, c'est joli. Bah, je vais prendre la mesure. Donc, le roue soulevé. Ouais. Tac.
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un petit truc. Ouais. Tu m'as dit comme sur les KT. J'ai mis de la saleté. Comme sur les KT où tu peux prendre ton point de repère. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un petit repère comme ça, ils changent jamais. Tu as toujours le même et ça, c'est pas mal. Tu prends toujours au même endroit, donc il n'y a pas de raison. Donc là, je me prends sur un point sur le bras oscillant. Ouais. Hop, au repère. Donc là, on a 62,9. Ouais. Ça aurait 69. Pu être 63, ça aurait été parfait. Ouais. 62,9. Non, on met la moto par terre. Ouais. Tu te l'enlèves. Oui, on va mettre là. Hop. Allez, ouais, tu me la tiennes. Là, je pompe. On va revérifier. On reprend la même mesure. Au même endroit. 58,9. Ah ouais, ben pile. C'est 4. On a 4. Ça, c'est très bien, ça. C'est ouais. Très bien. Ouais. 4 bon, c'est bien. Pour le cross c'est bien, alors une moto un peu sur l'arrière, chopper, pour dans les trous, qu'elle, on peut faire avec toi dessus, vas-y monte dessus, je t'ai mis ouais, après, à côté. Tu vois je pense quand tu aurais. Ah ouais, ah non mais là déjà, tu te rends pas compte de la différence que ça fait. Mmh. Elle bougeait pas du tout. Attends. Ouais, c'est à ce moment-là. Tu peux partir du principe que ouais, tu rajoutes combien en général toi pour faire le calcul? 53,5. Hein? Tu rajoutes combien toi pour faire tes calculs? Tu sais qu'un pilote habillé c'est quoi? C'est 5-10 kilos? Ouais, 10 kilos en général. Ouais. Enfin, ah, 10 kilos en enduriste. 10 kilos en enduriste. On va dire un crossman vu qu'il n'y a pas la banane, il n'y a pas le truc, on part ouais, plus sur 5. Du 8 kilos. 8 kilos? Rien que les bottes c'est déjà 2-3 ouais, déjà, kilos. Ouais, déjà c'est lourd. Ouais. Donc là t'es à 90, tu vois, c'est passé. Ouais, mais déjà. Tu t'enfonces un peu plus. Il y a une différence de fou. Mais il faudrait rester sur du 40-110, c'est bien le ratio. Ok, donc là on est pas trop mal. Ouais, il faudrait avoir avec toi habillé là, elle descend pas assez. Mais si elle est pas assez libérée encore, il faudrait bien la roder encore. Et, ouais, et à ce moment-là, du coup, je te redemanderai les valeurs. C'est ça. Ce serait bien 40 à vide, on va dire comme ça là. Et après 110 quand je suis dessus. C'est ça. Ok. Et ça, de toute façon, ça se règle pour quand les gens qui ont regardé la vidéo. Ça se règle avec l'anneau. Les deux contre-écrous qu'on voit là, ouais, c'est okay. Ça. Ouais. Bon, ça, je sais faire pour le coup. Ça, et il ouais, y a deux trucs en plus. Là, vu qu'on vient de préparer, il faudrait refaire rouler l'amortisseur pour qu'il se mette en place. Parce que l'huile ouais. Est nouvelle, tout est nouveau. Donc, déjà, rien que de rouler, ça bouge un peu. Mmh. Et le fait que ça se rode, ça va encore aussi rebouger. Donc, ouais. Là, il faut rouler un peu. On sait que la base est bonne. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Oh putain, je sais pas. Comme ça, là. Je vais t'en servir quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut que je vende OTS? Ouais, vende OTS. Ok. Fais-nous rêver. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ok, bon, voilà, voilà. Voltor, il vous a présenté Fabien. Fabien, notre préparateur suspension. Et grâce à lui, j'ai pu embarquer ma Ténéré sur le Hard Défi Tour. Un super projet et qui m'a permis vraiment de faire une différence flagrante avec les autres Ténéré. Et je remercie encore Fabien de OTS Factory pour sa préparation sur ma Ténéré. Et merci à Voltor. Oh, la bonne intervention qui fait plaisir. Et pour le coup, c'est vrai en plus. Tout à fait. Hop. Et je tenais à le souligner parce que je lui avais dit que si je finissais pas, ce serait de la faute des suspensions. Oh, la pression. Comme si ça faisait tout, tu sais. Toute ma vie, ça a été comme ça. Du coup, en cross, tu m'as dit 40, 110, c'est une ordre de valeur correcte, ouais, c'est bien. C'est ça. Et en enduro? En enduro, on a tendance à relever un peu plus l'arrière parce qu'on a besoin de moins de stabilité et plus d'agilité sur une moto. Pour les tourner entre les voilà, arbres. Surtout pour les petits virages en enduro, avec dans les spéciales, quand on tourne autour des arbres, tout ça, on met une moto un peu plus sur l'avant pour arriver à bien la faire tourner. Parce que c'est le problème qu'on n'a pas en cross, parce qu'avec la vitesse et les appuis, on est moins embêté, donc on met la moto un peu plus sur l'arrière pour avoir de la stabilité. Ok, et dans les valeurs, tu donnes quoi? Là, entre 35 et 38 pour en enduro. Ok. Donc 38 pour ceux qui font de la compétition un peu en championnat enduro et 35 pour ceux qui veulent voilà qui font de la rando et qui veulent avoir une moto qui vire bien. Ok. Tu enlèves le tabouret? Tu enlèves le tabouret? Bonsoir. 59. 2, 3, 4, 5, 6. 6,5. De Dieu? Ah oui. Bah ça fait ouais ça fait très bas quoi. Ouais bah on va le. On la met bien. Ouais, bah oui. Tournez ce petit ressort. Enfin ressort. On va comprimer ce ressort. Plus il est comprimé, moins la moto s'enfoncera, plus il est décomprimé, donc plus haut il monte, plus la moto sera souple. Et là il était trop souple donc on va le comprimer. Tac, parfait. On est bon là? Ouais, on a 4. Super. Ah mais...
C'était pas monté dessus. La différence, rien que sur la fourche. Ah, la fourche, il y a eu un gros changement. Voilà, là, mais ça a rien à voir. Mm. Rien à voir. Et même derrière. En confort, enfin, tout, ça va être un peu différent quand même. Wow. Ah ouais, non. Oh, mais même là, tu vois, dans les codes, j'essayais de la comprimer la dernière fois pour prendre de l'adhérence. Ouais. Elle bougeait pas, là. Là, même devant. Maintenant, tu vas y retrouver en confort, tout ça, ça va être le top. Oh, l'amortisseur. Ah bah ouais, bah rien à voir. Quelqu'un qui a vu la vidéo, là, qui se dit, bah, pourquoi pas faire préparer mes suspensions, comment ça se passe avec toi ? Pour travailler avec toi, si on a besoin d'enlever ses suspensions, t'es présent sur des courses, comment tu t'organises ? Moi j'ai tout du coup, hein. Ou on me les envoie, on peut passer par internet du coup, par le mail là. Ouais. Ou après sur les courses, le jeudi, le vendredi avant les courses, en général le championnat de France. Ouais. Je suis sur place et je peux faire pour les clients. Ok. Je suis là pour les clients. Ouais, par exemple, moi j'ai amené les suspensions d'un copain et qu'il va les récupérer du coup sur une course. Ouais, ça jouerait. Parce que ça arrange tout le monde, donc ça c'est super. Tu proposes donc préparation soit fourche, soit amortisseur, soit les deux. Ouais. Entretien pareil. Ouais. Et une de tes spécificités, et ça c'est hyper intéressant, c'est que bah en fait tu as une accréditation de Technical Touch. Alors, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle le détail, mais du coup tu peux revendre toutes les pièces qu'il y a là-bas, y compris les suspensions Factory. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux la fourche Factory de fou, en fait faut passer par toi parce que t'es le seul ou un des seuls accrédités pour pouvoir faire ça. Je suis le distributeur officiel France. Distributeur officiel pour la France. Donc en fait, tu as toutes les formations qu'il faut, tu as eu toutes les. T'es au top. Grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Mais écoute, de toute façon, je vais essayer ça. Ouais. Et là, à l'heure où on tourne, la rando vient, c'est très bientôt. C'est dans moins de deux semaines. Dans une semaine et demie, première course d'enduro pour moi. Et ça, par contre, je sais que ça va m'aider parce que. Vu comment surtout la rande, en général le samedi là c'est plein de caillasses, c'est les voies romaines là. Parce que quand t'as un truc un peu trop dur. Ouais, tu m'étonnes. De toute façon toi t'y seras donc on pourra faire les réglages aussi. Je pense que ça devrait aller après peut-être après la première journée, si tu peux me dire faire des clics par-ci par-là en fonction de ce que je te dis, bon, ça sera toujours un plus. Ouais, carrément. Et puis voilà, grosso modo. En espérant qu'il fasse beau. Ouais,